Ouais, mais je pense qu'ils sortent un truc cette année. Ouais. Mais en fait, tu sais, par contre, on m'a expliqué comment ils ont fait pour l'album d'avant. En fait, il faut savoir que PNL, ils sont signés chez Believe dans une distrib extrêmement avantageuse pour eux. Et de ce qu'on m'a expliqué, c'est genre, Believe, en fait, ils n'ont pas l'album jusqu'au dernier moment. Par exemple, tu vois, normalement, un album, faut vous capter un truc. C'est quand tu sors un single, vous sortez l'album. Vous donnez le single genre 15 jours avant, minimum, etc. Vraiment, eux, c'est du dernier moment, ils s'en battent les couilles. Et comme c'est PNL, tu peux pas leur mettre la disquette de oui, mais si tu en as le son en avance, on peut pitcher aux playlists. On est PNL, tout le monde va nous mettre en haut quoi qu'il arrive. Et en fait, il faut savoir que eux, ils arrivent, c'est eux qui donnent la strat. On m'a expliqué que c'est une équipe, ils arrivent, ils sont une dizaine. Tu vois, il y a un mec à l'image, il y a un mec à la DA, il y a les deux frères, il y a les trucs, etc. Et ça pitch. Et de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vraiment Ademo beaucoup qui parle, etc. Et genre, c'est eux qui ont expliqué de A à Z toute la strat sur l'album. C'est même pas les maisons de disques, c'est enfin, c'est pas c'est eux. De A à Z. Ils ont tout pensé, vraiment, voilà, on va faire ça, 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 ça. Et c'est vraiment, on m'a dit que c'est à l'américaine. Et c'est ouf, tu vois. Personne fait ça en France, hein. C'est les seuls. Je te le dis, hein, je te le dis. Les deux sont quoi. Les autres, ils écoutent ce que les maisons de disques peuvent proposer, ils échangent. Après, t'en as qui ont beaucoup d'idées, tu vois. Par exemple, à son niveau, sur son balai, c'est un mec qui a des idées, tu vois, c'est aussi lui. Mais vraiment, eux, c'est eux tout seuls. Je sais pas comment t'expliquer, et ils sont structurés. Ils sont structurés, c'est l'équipe la plus structurée du game en vrai.